No se puede medir, la gloria no se puede olvidar. La rendición no es una opción. Eh bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, installez-vous bien, on est parti pour la vidéo de fin de saison et la vidéo mercato qui va enchaîner cette transition vers la nouvelle saison. Donc euh, voilà, c'est toujours euh, à l'avance, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup, c'est pour ça que je me posais aussi la question d'une carrière directeur sportif où je fais que du mercato. Euh, je travaille le mercato des équipes et, euh, et voilà, ça permettrait de faire des carrières de manière un petit peu différente. Pour l'instant, l'idée n'est pas encore tout à fait aboutie. On va se concentrer sur euh, ce match-là face à l'Atletico Madrid. Euh, victoire ou défaite, dans tous les cas, euh, on terminera troisième. Grâce à une fin de saison plutôt qualitative, après une victoire face à Vallecano, 3-0 face à l'Almeria, on a perdu face au Real. On a battu Retafe, on a fait deux matchs nuls face à Cadiz et face au Barça et on a battu... Le bêtise, et ça c'est important. Donc en vrai, même ce match face à l'Atletico, on va... Euh, on s'en fout un peu. Hein. On s'en fout un peu en vrai. Euh, Gutiérrez euh, mérite un nouveau contrat, oui, oui. Euh, merci d'avoir changé d'avis. Lui, il m'emmerde. Hein. Lui, on le sait. Tanguy Nianzou, on sait que ça va être euh, son départ. Voilà. Entre les menaces et les boulettes en plein match, moi, euh, je n'en peux plus euh, de Tanguy Nianzou, On va aller chercher un gros, 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 gros défenseur. Pour le mettre avec, euh, avec Diomandé. On, on va aller faire un bilan de cette équipe-là de ce que j'ai envie de faire. Et à la fin de ces deux, trois heures de mercato, c'est ce que j'ai réussi à faire. Parce que souvent on est confronté, et c'est ça qui est bien dans ces vidéos mercato. Je piste un joueur. Au final, le contrat ça coince. Je piste un joueur. Au final, il y a une autre équipe qui s'aligne. Et on se le fait shipper au dernier moment. Il euh, y a un joueur que j'ai pas prévu de le vendre, mais on, a, on reçoit une offre qu'il faut considérer. Donc c'est vrai qu'on est toujours soumis à ces, euh, à ces aléas. On va mettre Vasco Souza, on va mettre euh, Nico, on va mettre Oscar. Je fais vraiment tourner hein, et on fait un résultat direct. Voilà. Puisque le dernier match euh, était sans enjeu, même si je le perds, en plus c'est chez eux. Il y a peut-être moyen que je le perde. Mais dans tous les cas, on valide le podium et la troisième place. Et ça, c'est important. On a perdu de 0 Mais en ayant un peu dominé, quand même. Carmona, voilà, la blessure n'est pas très grave. Fin de saison. Fin de saison. Bon, ben, vous l'avez surtout vu lors de la dernière vidéo. Hein, c'est une très, très belle saison. Très content d'avoir à nouveau remporté la Copa del Rey. Et ça, c'était pas une mince affaire. Puisqu'on a battu l'année dernière le Real et cette année le Barça. Donc, euh, deux fois la Coupe. C'est très, très bien. Je suis hyper content et euh, c'était pas gagné d'avance et on fait un quart de finale de Ligue des Champions euh, face à Benfica et on se fait éliminer on essaiera de faire mieux la saison prochaine c'est pour ça qu'on va travailler ce mercato et euh, en ce qui concerne les joueurs je suis content d'avoir trois gardiens mine de rien ça ça sert Melier a été monstrueux très 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 bonne saison je suis très très content de l'avoir il est actuellement observé par Crystal Palace Santiago Melé qu'on avait eu gratuit hein. et lui il est arrivé gratuit et il a ses bouts de match il a Quelques matchs avec nous, il est actuellement observé, je pense qu'il voudra partir. Toulouse à la Shabab ou Genk, on pourrait en tirer entre 6 et 8 millions pour un joueur qu'on a eu gratuit. Samuel Soares, euh, toujours là, qui a aussi fait ses petits bouts de match, et a joué un peu de Ligue des Champions même. Nicolas Romero, j'avais beaucoup d'espoir en lui quand je l'ai acheté, 6 millions d'euros, et en fait, euh, il s'avère que le potentiel ne se confirme pas vraiment. À ce prix-là, entre 16 et 20 millions, vu comment je l'ai bien payé. Euh, je pense qu'il peut partir. Lucas Taibo pareil, ça, ça a du mal à se confirmer. Bon, il a fait de la rotation bien sûr. C'est quand même pas dégueu hein. C'est quand même pas dégueu, il a fait ses 13 matchs pour l'instant à voir. Euh Nianzou, il va partir. En tout cas, je vais essayer de le faire partir parce qu'on peut récolter un très gros chèque. C'est un peu le tournant parce que il s'est très très vite imposé comme cadre de l'équipe mais ses boulettes à répétition. Voilà, ça fait que j'ai envie de changer ma charnière. J'ai envie de changer ma charnière et d'améliorer le secteur défensif. Eric Martel, très bien. Très, très bien, même s'il est observé par Tottenham. On sait que Tottenham peut mettre des grosses, grosses sommes. Je l'ai eu qu'à 13 millions, donc si ça va taper les 50 millions, ça peut partir. Euh, Carmona dans la rotation, ça a été très bien. Attention, il est quand même observé. Diomande, qui va rester. Très, très, très belle saison. Très, très fort. C'est autour de lui qu'on va bâtir l'avenir. Sergio Aiguillon, qui va partir. Voilà. Quand même très élevé, hein, sa valeur. Entre 30 et 40 millions. Moi, je l'ai eu à 10. Donc euh, il y a quand même moyen de se mettre bien, Gutiérrez aussi qui est observé par des gros clubs, alors euh, on va voir ce qu'on fait de lui, j'ai quelques pistes mais je pense que le poste de latéral gauche va falloir travailler dessus aussi, Juan Nu c'est le produit maison qui continue de progresser, il a encore un potentiel à aller chercher, il a que 23 ans, Christian Medina il a conquis tout le monde, vous êtes euh, à chaque fois euh, en admiration devant Christian Medina et surtout moi aussi. Quelle saison il nous a fait avec ses 11 passes décisives. Il a encore franchi un cap et il a que 24 ans, donc euh, on va pouvoir encore le garder un petit peu. Il n'est pas observé à l'heure actuelle. Jetson Fernandez, qui mine de rien a apporté beaucoup. Il a apporté une très très belle stabilité dans l'équipe. Trois buts marqués, deux passes dé. Et très très bon dans la récupération des ballons. Vasco Souza, ça a été un peu la surprise. Recruté euh, parce que justement il y avait un coup. Il y avait un coup à faire, il était mis en vente, il était bradé par Porto. Je me suis dit à 9 millions. Il est jeune, il a un potentiel, ça peut se tenter et sur le terrain, ça répond très 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 fort, très très technique. Alcacer, peut-être le coup du siècle. Pour l'instant, on ne sait pas, mais à 13 millions 75, il a eu pas mal de temps de jeu. Il a eu vraiment beaucoup de temps de jeu. Ressoalcasser, c'est c'est des matchs en Ligue des Champions, c'est en Liga, en Copa, il a joué un petit peu partout et il fait vraiment une pour une première, il fait une très très belle saison chez nous, je suis très content. Oscar, est-ce que ça ne pas un petit peu la fin pour lui aussi Même s'il a beaucoup joué, hein, il a beaucoup servi encore dans la rotation. Il n'est pas... pas mécontent. Et pour l'instant, euh, je ne vais pas le pousser fort vers la sortie. Mais s'il y a une offre qui se présente, pourquoi pas Jota, ça sera le départ. Jota, ça sera le départ. Il a demandé à partir. Il est observé par Alsad. On l'a eu gratuit. En vrai, une saison et puis s'en va 40 millions, je dirais oui. Samarzic j'ai déjà observé. Pareil, pour un joueur récupéré gratuit, ça peut être monstrueux. Nicopas, on va sûrement le prêter. Pavlidis, il est observé par Napoli. Alors moi, je dis oui. En tout cas, voilà, lui aussi, il est arrivé gratuit, il s'est fait les croiser entre-temps. Si Pavlidis s'en va, on va pouvoir rebâtir. Il y a quand même du chantier. Hein on dirait pas comme ça, mais il y a quand même du chantier. Romero, mine de rien, il a arrêté d'être mécontent et il s'est bien reconcentré sur son jeu. La deuxième partie de saison est quand même très très bonne. Estanis Pedrola, pareil, finalement je l'ai mis un peu. Euh, il, a, il a mixé entre attaquant et sur un côté. Il est très bon, il est assez polyvalent. Onze buts quand même, hein. 11 buts en Liga pour Estanis Pedrola. Et Abaldo, hein, Abaldo euh, qui a eu du mal hein, les 6 premiers mois, il a vraiment eu du mal. Et là il réalise sa meilleure saison à 7-37 en Liga, mais avec pas beaucoup de matchs. Et Ricardo Pepi, qui a su euh, très, très bien prendre le rôle. Lui qui était, euh, quand il est arrivé en deuxième division, en troisième division même avec l'équipe B, que j'ai prêté en deuxième division. Et là, pour sa première saison en Liga, 14 buts en 18 matchs. Et toute compétition confondue, c'est 16 buts marqués. Donc, on va voir. Hein. On va voir ce que ça va donner, ce Mercato. Euh, j'ai 33 millions de budget, avec un, un certain budget salarial. Hein. Les finances sont bonnes. Et comme ben, je vous l'ai dit, ben, ça va surtout dépendre euh, aussi des départs. Est-ce qu'on va recevoir des grosses offres Moi, en attendant, euh, ben, je me suis constitué des petites listes, des petites sélections que je vais aller chercher comme ça par poste. Euh, au poste d'attaquant, j'observe pas mal de monde. J'avoue qu'il y a par exemple Datrofofana qui a été placé en vente à 11 millions seulement. 11 millions seulement Donc, euh, ça peut être une piste. En Défense centrale, euh, je ne sais pas trop encore. Thomas Sarojo, c'est pas mal, mais je pense qu'il ne va pas monter tant que ça. Euh, Poulido, hein, que j'avais voulu... Pulido, il y Pulido, euh, est en vente. Pulido, c'est vraiment pas cher pour un joueur de cette qualité-là. Que ça soit titulaire ou pour de la rotation, à 6,8 millions, euh, je vais le tenter. Ça, c'est sûr. L'équipe type de l'année en Liga. C'est fort. L'équipe type de la saison, mais il est remplaçant. On n'a qu'un seul joueur, c'est lui. C'est ça, Marzic. Mayora, il n'a que 14 buts, il est là, quoi. Tu mets pas pépi. Pourquoi tu mets pas pépi, sérieux Bon, allez. Et tac On va se faire le mercato. Résumé de la saison. Les nouvelles recrues. Ils sont contents, les gens. Ils sont plutôt contents. Recrues de l'année, hein, Samarzic. A plus. Du hein. méthode. Après, ouais, quasiment tout est A plus. Hein. Même Jota. Hein. Euh, 556 000 maillots vendus. Samarzic, Jetson, Juan Lu Diomandé et Luca Romero. On est bien. Même... Il n'y a qu'en prime de compète où on a un peu perdu. On a gagné 1,1 million de followers. Ils ont du club. C'est plutôt ravi hein, De tous les côtés. Destination du stage. On va partir au Portugal. On va pas aller très loin. L'équipe type de la Ligue des Champions, c'est méli le meilleur gardien et ça c'est beau. Quand tu vois la dream team qu'elle a, ça fait super plaisir de le voir ici. J'espère vraiment le mener jusqu'à l'équipe de France. Pour l'instant, toujours pas de sélection. En théorie, il est pas souvent sélectionné. On va regarder aussi mais l'équipe B, Sevilla Atletico a terminé championne et ça c'est beau. Ça ça fait plaisir. Zarzana qui a sorti une très très grosse saison à 18 buts, 14 passes, D. un très 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 bon joueur. Alors, je vais lancer une recherche ciblée parce qu'on n'est que le 1er juin. Et comme ça, en juillet, j'aurai peut-être déjà des résultats. On va créer une recherche pour latéral gauche. Mais je veux qu'il ait au moins 3 étoiles et demi. Allez, 3 étoiles et 4 de potentiel. Entre 15 et 50 ans. Allez, entre 15 et 28 ans. Puritaire. On mettre latéral. Latéral G. Tac. Donc là, on a déjà deux joueurs qui correspondent à ça. Mais ils sont trop chers. C'est Aaron Ike et Destiny Udogi. Et ce est David Cruz à l'Euro U21 Toulouse passe à l'action pour Santiago Melee. En vrai, euh, on va pousser un peu le curseur, mais je pense que ça peut le faire. À 8 millions. Allez, 8 millions 2. De... 8 millions 2. De... Pas mal. Non. Ah ouais, ils sont aussi catégoriques. Il y a même pas de négociation possible. Ok. Brighton, piste mêlée. Ça, ça m'intéresse beaucoup moins. ça. Alors, je valide mes, mes observations. Mais j'ai reçu une offre aussi. Emma Rose à 12 millions. Hein. Emma Rose à 12 millions seulement. 12 millions Emma Rose Ah, mais il est déjà transféré. C'est mort alors. C'est mort. Ouais, je m'emballe un petit peu, des fois. J'ai observé Bradley locaux. Côté gauche. Pourquoi pas? Alcacer se blesse avec l'Espagne. Espoir. L'orteil est fracturé pour Sous Alcacer. Attention. Et Brighton qui passe à l'offensive pour Mélier. 43,5. Non. Il est pas intéressé. Je rejette l'offre. Séville a gagné 4 places. Au classement européen, on est bien, hein on est huitième, hein on est devant le Barça. Pépier la Gold Cup. faudra qu'on aille voir tous nos prêts aussi. Hein J'ai prêté euh, Pecheguero, le gamin, potentiel de fou. J'ai prêté Ruben Arojo, potentiel plutôt pas mal. On a prêté Alan Obando. Pour l'instant, euh, ça a du mal à se confirmer. Le début marqué à Valadolid, on va le reprêter une année de plus. Il a 21 ans, mais bon, il faut aller le chercher, ce potentiel-là. Hein. Benaido, on a prêté Victor Navarro. Qui c'est qui a plutôt bien joué ben, C'est Lucas Roman. Hein. Lucas Roman que j'avais pris pour l'équipe B, mais qui a bien servi Valadolid. Georges Merelles, qui a été pas mal aussi, que j'avais eu gratuit. Dibrilso. Alors, saut je sais plus s'il y avait une option obligatoire. Et une option qui nous appartient encore euh, concrètement. Offre de Chelsea. Ah. Ben là, ça part. Hein. C'est le départ de Miguel Gutierrez. C'est Chelsea qui fait l'offre. C'est le plafond. C'est quasiment la clause. C'est quasiment la clause libératoire. Euh, départ de Miguel Gutierrez à Chelsea. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Le mercato n'est pas encore ouvert. Hein. Moi, là, je suis passif complet. Je fais que des petites observations. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Ah ouais, City. Ça faisait partie de ma short list, Mais on va pas y aller si à City dessus. C'est pas grave. Je pense qu'on va tenter Pulido, hein. Je peux même déjà faire l'offre maintenant. On peut faire l'offre maintenant, déjà ça va nous rassurer. En plus, il est mécontent parce que le club a été relégué. Euh, moi, je l'aimais les 6 millions. 6 ,75 millions 75. Hop, on va aller voir parce que c'est souvent ça qui peut attirer euh, tout le monde en fait. On est tous là à s'observer, dès qu'il y a une offre, il y a tout le monde qui s'aligne. En plus, il demande pas, il demande pas être, par contre moi, j'aimerais bien qu'il soit en rotation. Ah Il voudra jamais, il voudra jamais être là pour de la rotation. C'est pas cher. 64 millions de clauses libératoires. Il y a quasiment pas de prime à la signature, il gagne moins de 200 000$. C'est un joueur espagnol, il est fort de ouf Ruben Pulido. Moi, je vois pas de je vois vraiment pas de lacunes, de défauts, de il a vraiment le statut en tout cas, j'espère que ça va se confirmer sur le terrain mais défensivement, c'est très costaud. On met Diomande Pulido, après je peux en prendre un troisième qui est ultra lourd et je garde soit Romero, soit Taibo, les deux sont très bons en tout cas pour de la rotation, ils n'ont pas ils ont pas prouvé qu'ils pouvaient être titulaires pour l'instant. Ah, Kaiki va aller à City. Et voilà, il attire les convoitises. Rennes, Porto, Alavés et Mallorca sont en train d'être dessus maintenant il y a tellement de monde sur Polido, c'est incroyable. Ils ont été relégués, je vais aller voir. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont dans le même cas Ouais, à part lui, il n'y a aucun joueur qui m'intéresse. À part lui, il n'y a vraiment aucun joueur qui m'intéresse. Même Nico Melamed, il est beaucoup trop cher. Le retour des joueurs prêtés, on approche du 1er juillet, là, ça va partir. Là, ça va partir. On a Garrido et Palacios qui arrivent gratuits. Rappelez-vous, ça sera pour l'équipe euh, l'équipe B. L'équipe B qui est... Euh... Et qui sera en, en deuxième division à nouveau. Alej Garrido du Barça et César Palacios du, du Real. Et Mauro rose qui confirme à la, à la Lazio. Ça y est, les transferts sont ouverts. On est le 1er juillet. On va aller voir aussi les joueurs libres. Les joueurs sans club, moi je mets sans club ou terminé, hein, c'est pareil. Entrée par réputation inversée. Il y a Kimir qui est sans club et qui pourrait être intéressé, mais je dois avouer que ça ne correspond pas. Euh, même, je j'ai pas les moyens, mais à l'identité de Séville. Hein, ça serait pas réaliste. Balanon, Kovacic, Rapié, Kondogbia, Pineda, Pario, c'est beaucoup de vieux, hein, forcément. C'est pas mal de vieux joueurs. Ouais, non. Je continue de défiler, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Peut-être Calvin Ramsey. Calvin Ramsey est sans club. Libéré par Liverpool. Il va passer un essai chez nous. En tout cas, même s'il ne sert pas de suite, euh, bah, il a que 23 ans par rapport à tout le reste. Il y a peut-être un potentiel achat-revente derrière. Ayos Perez, c'est bien. Bon. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de précipiter certains départs. Notamment. Celui de Gibrilso qui est encore là. Est-ce que Jota ça passerait avec un intermédiaire étant donné qu'il est déjà observé et qu'il a demandé à partir J'ai un intermédiaire entre 29 et 38 et si je le vends en direct, je spécifie pas de prix. Mais 40, mais 40, 40 minimum. 40 minimum pour Jota. Pavlidis n'est plus observé. Pas d'intermédiaire possible. Pando en pré, oui. Pedrola est observé. Luca Romero aussi par le Barça. Et euh, moi, je voulais faire partir Reguillon aussi. Je voulais aussi faire partir Région. Ça, ça me fait les deux latérales gauche qui, qui changent. On va se faire des sous. Hein, on va se faire des sous. Et Nianzou, alors, ça pourrait partir ou pas Qu'est-ce que ça dit Pas si cher, hein Même avec un intermédiaire. Si je le mets, euh, je le propose comme ça. À 80. Allez, je ne suis pas trop gourmand. 70, c'est OK. Je vais me foutre le vestiaire à dos à proposer à tout le monde comme ça avoir Les premières réponses, ça va, être euh... <laughs> ça va être un bordel. Mais bon, ça me permet de voir où c'est que je peux aller, quoi. Et vous, vous inquiétez pas, ce ne sont pas des joueurs ici. Ils ont accepté d'être joueurs secondaires. Sevilla-Atletico, Sevilla-Atletico. Offre de Wolfsburg Ah, il est intéressé pour y aller <laughs> Ah, mais je peux pas perdre mes deux gardiens. Euh... En qui, moi en... Faut que je m'aligne sur lui, quoi. Faut que je m'aligne sur lui si je perds S. On va Maximiliano qui pourrait arriver et du coup je valide je valide Suarez. Euh, Pulido, Taibo, offre du 7 à 9 millions, c'est cher. Je pense que je vais accepter parce que je peux trouver mieux. Je mets 7 et 2, ça fait 11 millions. Ils acceptent. On va voir si ça va au bout. On va voir si ça va aller au bout tout ça. Et euh, pour Max, ouais, en plus, lui veut être remplaçant. Petit salaire, c'est bien. Euh, Ramsey qui passe un essai chez nous. Ça y est, ça commence à se décanter un petit peu là. Très léger. Parce qu'on attend... Alors les... il ouais, y a Mika Fay qui est libéré. Mika Fay qui est libéré, quand même. Il a pas le profil pour être titulaire indiscutable, mais bon. ex Angel Alarcon. Angel Alarcon, libéré. Tu vas passer un essai, toi aussi. Hein. Moi, je vais te signer. Hein. Je crois qu'il a un gros potentiel. Niciares, hein. Robert Navarro. Que des joueurs que j'aime bien. Hein. Période d'essai pour Robert Navarro. Edgar Pujol. Euh... Ça a l'air fort aussi. Edgar Pujol, période d'essai. Ah ouais, moi je veux passer à côté de rien. Hein. Je passe à côté de rien. On va prolonger eux, là. C'est vrai que j'ai Ismaël Ducouré, aussi. Hein. C'est vrai que j'ai aussi Ismaël Ducouré, qui a pas énormément pris. Edgar Pujol, Alarcon et Navarro. Les anciens cracks, ça. Il y a peut-être des... Peut des petits restes mmh. Al-Shabaab pour Reguillon, c'est pas assez, hein. Ça sera 30. Ça sera 30. Oh, tant pis pour vous. Alors, Djibril So, il y a une offre qui tombe. Ça là on la valide. J'ai peut-être un peu abusé avec Reguillon. Il y a eu à 10. Avec le 1er juillet, hein, si je valide tout direct et que je négocie pas un peu euh, pour faire monter les enchères. Tu vois, quand ils vont débarquer euh, fin, fin juillet, fin août, qui vont, euh, qu vont un peu euh, stresser. Nicolas Romero, 21 millions et demi. Non, mais je pète les boulons. 21 millions et demi. J'ai acheté 6. Je peux trouver mieux, bien sûr que je peux trouver mieux. Il joue au max. Oh là là, il, il, il dépasse la valeur et tout. J'accepte. Ouais, ouais, logique. Christiane Medina, c'est pas trop grave la blessure. Bon, bah, on va essayer de pousser avec un, un intermédiaire pour Jota. Proposer Pavlidis. Offre de Castellon pour Ibra So. Ok. Il y a Marsenal et Newcastle sur Nianzou. Hein. Et le départ de Suarez, finalement, ça s'est fait vite. Ça s'est fait très, très vite. J'espère qu'on pourra avoir... Euh, qu'on pourra avoir Luis Maximiliano en échange. Ouais, avec Pedro là. Le nouveau contrat tu mérites, en vrai. En vrai, il mérite. Pedrola. là. Offre de Newcastle. Quoi? Mais c'est quoi, ça? On me met. Mais non. Vous êtes Newcastle, les mecs. Ah. 48 millions. Mm -hmm. 48 millions. Pas très cher, 48 millions. Refuse. Al-Shabaab pour Jota. On est à 36. Voilà, c'est ok. Et Gutiérrez qui part à Chelsea. Voilà, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et l'arrivée de Pulido. Ça, c'est bien. Luban Pulido. Ouais, yes. Ça, c'est bien, ça. Là, j'ai plus besoin de Yanzu, là. Inquiétude pour Nicolas Romero, mais tu vas partir. Tu vas partir, frère. Tu vas partir. Nicolas Romero. Ah, en plus, ouais, il part à 21. Il part à 21. Ça en fait du taf, là. Ça en fait du taf. Ouais, Pavlidis, ça commence à. On resserre un petit peu les taux autour de, de Pavlidis. Ouais, Robert Navarro, équipe 2. Euh... Angela Larcon aussi. Hein. C'est pas mal. Hein. Par contre, du coup, euh, arrière-gauche, j'ai personne. J'ai plus personne. Oh bon, ça monte, là, l'argent. L'argent monte. Qui est dispo à gauche hein Qui est dispo à gauche mmh. Victor Christiansen de Liverpool. C'est pas mal, hein, franchement, c'est vraiment bien. Il est dispo à 38 millions. En vrai, je pourrais le faire. Allez, petit cut, je reprends le lendemain. Je fais le mercato sur plusieurs jours parce que c'est plutôt long. J'étais en recherche d'arrière gauche. Et c'est vrai que ceux qui sont mis en vente là, mis à part peut-être Adrien Truffert, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus excellent. Il est quand même à 33 millions, hein, c'est beaucoup. Le problème, c'est que c'est un peu le grand écart. Tu as, as des arrières à moins de 10 millions, et après, ça passe tout de suite à 30-40. Je vais essayer d'avancer sur la piste Vanderlan. Il a l'air de pas trop trop jouer là-bas. Il a fait que 10 matchs. Si c'est 14 millions, ça me va, en vrai. Hein. Et 15 maintenant, et 5 plus tard, ça fait 20. En vrai, ça peut passer. On va avancer, on va voir un peu. Vanderlan. ouais. En joueur de rotation, en plus, ça c'est bien. Hein. En joueur de rotation, le salaire est pas si élevé. On va baisser un peu. On tombe d'accord. pour Nianzu, je pense qu'on va valider. Hein. Je pense qu'on va valider, et au pire, on essaiera de faire monter les enchères. Je m'attendais à plus, mais en même temps, euh, ça me paraît Assez logique, quand même. Là, j'ai une belle offre pour Pavlidis, hein. On a une belle offre pour Pavlidis. Ils prennent 70% du salaire, plus des versements, plus 10 millions sur 2 euh, ans et 11 millions de clauses d'achat. Oui, ouais. Ok, Il me verse encore plus. Ça fait 21,5 millions, et demi. une contribution mensuelle à 700 000. Bon, bah, départ de Pavlidis pour West Ham. À moins que West Ham ne fasse capoter le transfert à la dernière journée, ça peut être une très, très belle affaire. Toujours des offres pour mon, mon Nico, hein. Moi, je veux pas. Le départ de Taibo, 9 millions. Ah, c'est grand ménage, hein. C'est le grand ménage, après je vais avoir pas mal de budget, je vais avoir une meilleure vision de... J'aime bien connaître mon budget total, à savoir comment je vais le dépenser. En plus là les offres tombent assez tôt. Hein. Normalement, ça se réveille plutôt... Ça peut se réveiller tard. Angel Alarcon, euh... je le prends pour l'équipe B. Je sais pas, il demande quoi. En plaçant en cas de crise. 78 000. Ouais, je dis, moi, je fais mon offre aussi. Là, on commence à se faire un budget intéressant, quoi. Le truc, c'est que là, côté gauche, même en défense, hein. Même en défense. Il faut que quelqu'un euh, soit là à côté de Diomandé Donc, on va travailler sur plusieurs pistes en même temps. Déjà, Vanderland, on est sur Maximiliano et on va passer à, à l'offensive pour un défenseur. Et je vais tenter Antonio Silva, en vrai. J'ai envie de le tenter. Ça va être cher. Hein. Et là, on va dire après 50 matchs, on rajoute. Euh... Ça, c'est par apparition. Après apparition. On met 3 millions. Ça fait 47. Ils sont pas contents du montage. Ils sont pas fans du montage financier que je leur propose. On va poser ça. Parce que Kaiki. Euh, après Kaiki, ouais, je peux m'aligner, mais c'est City, quoi. Et Antonio Silva est meilleur. Carmona blessé. Euh, les joueurs à laisser, à part à euh, j'ai pas pris Ramsey, Pujol et Navarro. Hein. Pour l'instant, ça serait que de l'équipe B. J'ai déjà, déjà du monde en équipe B pour l'instant. Accord négocié à 75 millions pour Antonio Silva. 75 millions. Bah ben, non, du coup, faut devoir chercher autre chose. Hein. Maximiliano qui signe. Ça, c'est cool. Au moins, on ne perd pas sur le poste de gardien. Nicolas Romero a rejeté le contrat alors qu'il devait partir à 21 millions. C'est chié, ça. Le truc, c'est que j'ai déjà les matchs de préparation et on a fait zéro recrue, là. J'ai l'impression de prendre du retard. J'ai l'impression de prendre du retard sur mon mercato. Les départs qui, qui prennent beaucoup de temps à arriver. Off du PSV pour Gibril bah Ça, oui, hein, depuis le début, je cherche à le vendre. Nicopas prêté à l'Espagnol. On enlève l'option d'achat, ça me va. Hein. En vrai, je pense que je vais quand même prendre Calvin Ramsey parce que j'imagine qu'il aura une forte valeur. Euh... Le continent, enfin, euh, sur le, sur l'Angleterre et, et l'Écosse et tout, donc, euh, même si ça va me prendre une place, au pire, je le prête. Je vais aller chercher Datro, je pense. Je vais aller chercher Datro Fofana. Il est pas cher. Il y a Fabio Silva aussi à 10 millions. Plus que c'était, hein. Il y a Marcos Leonardo aussi. Euh, Alexander Aravena. Et Mega, d'Everton. Datro Fofana, il est à 3 millions. Il est à 3 millions! Mais c'est, c'est, c'est bradé, là. Personne en veut. Personne ne veut tenter le coup. Vas-y, il y a 3 millions. Euh. On met 3 millions sur Datro Fofana, On hein. On sait jamais, hein. Ça peut être une très très belle surprise, hein. Il y a que le salaire hein, qui est un peu élevé un joueur secondaire. Un joueur secondaire, tu veux un salaire aussi élevé. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. On va forcer sur la prime de but. On va baisser un peu son salaire, mais c'est quand même 400 000. Mais je pense qu'il y aura un impact positif. Il y aura vraiment un impact positif avec Datro Fofana. Même si l'attaque, euh, ça va commencer à être un peu bouché parce qu'il ben, y a Pépi. et, et Ressus Alcacer, euh, il, a son, il a son rôle à jouer. Donc, euh, pour l'instant, c'est pas le poste d'attaquant qui nous pose problème. Ouais, vas-y. a pas le dos de Porto, j'aime bien, mais euh, je vais voir. Euh, au Demande au milieu-centre, Fosto Vera aussi. Okay, qui dessus. ce Donneville à Follam sur Fosto Vera. 90 millions de droits télé, le Sevilla en stage de prépa, les, les, inqui les inquiétudes, ok, pas de problème pas en stage Après, les sélections auto et ouais, bug hein. Antrel l'Alcon qui arrive ça va être on l'ajoute au stage l équipe 2 calendrier annoncé on va commencer par le Barça première journée et la victoire au premier match amical but de Pedrola et gros match de Samarzic encore une fois Pedrola qui prolonge une offre de Z pour Romero à 20 millions ben, je dis toujours oui hein. le départ de Jota 36 millions c'est ouf hein. c'est ouf hein, là, ce coup là hein. je le récupère gratuit et il repart 36 millions direct direct c'est la super affaire là Super affaire. En plus, il repart en Arabie Saoudite. Ce qui nous monte à 61 millions et un gros budget salarial. Et bon, du coup, j'ai Pedro là. Qui c'est que je peux avoir dans la rotation à gauche bon, Est-ce que je vais chercher quelqu'un ou pas Est-ce que je vais chercher quelqu'un Pedro de la Vega que j'observe, mais qui est pas ouf. Hein un peut-être. Ou alors, je vais enfin sur Alberto Moreiro. Enfin, depuis tant que je le veux. Hey, J'observais Sandro Bernabei, il a l'air pas mal. Hein. Il a l'air pas mal, hein. très cher. Il y a chez Shea 29 millions, en sein de la sociedad. Bon, je continue de chercher, mais ça avance pas trop trop là. Ça avance pas trop aussi. Ça y est, l'arrivée de Van der Lann à 20 millions, on va y voir plus clair. Voilà, c'est pas du tout ce qu'il vaut. J'aime beaucoup sa fiche. J'aime vraiment sa fiche. Je pense que il a un profil comme Gutiérrez, ça va être assez offensif. Le départ de Gibrilso permet de travailler accordé à Pavlidis, qui part du côté de West Ham, 17 millions de clauses d'achat plus des versements mensuels qui vont faire que ça. Vaut 21 millions à peu près. Une page se tourne pour Pavlidis qui, malheureusement, a été bien bien handicapé par euh, les ligaments croisés. Mais pareil, sur un coup gratuit, on récupère pas l'argent tout de suite, par contre, mais ça nous met bien. Ça nous met plutôt bien. Je récupère d'Atro Fofana. On a Pepi Fofana Alcacer. En vrai, est-ce que j'ai besoin d'une grosse pointure Ça va sacrifier un des trois. Vanderland blessé dès qu'il arrive. Une belle victoire hein. au bandeau marqué. Luis Munoz. À marquer aussi. Donc que je fasse une place aussi pour mes jeunes. Je peux recruter des grosses pointures, mais faire un peu de place pour les jeunes. C'est derrière, en, en défense centrale, je vais claquer beaucoup de budget, je pense. L'arrivée de Calvin Ramsey. Gratuit, Calvin Ramsey, voilà, il a sa petite valeur. Je qu'il est hors Europe, par contre, non Ouais, il est hors Europe. Donc, peut-être qu'il jouera, peut-être qu'il sera prêté peut-être qu'il ira en équipe B. Je vais voir. Pas trop décidé pour l'instant. Fais-moi signer Datro, là. Off du PSG pour Antonio Silva. Ben, eux, ils demandent pas autant. C'est ouf. Bando blessé. Super. Je sais pas ce que je vais en faire de lui. Hein. On va le reprêter. On va essayer de le prêter dans, dans son autre club. Ah, l'arrivée de Datro Fofana. Mmh, 3 millions. <laughs> ah, il y a une belle fiche, quand même. Il y a une belle fiche. Il y a une petite marge. Et en termes de valeur, je pense que c'est un joueur qui va être plutôt bien évalué et il y aura pas de soucis s'il s'impose, il s'impose euh, au club. Et lui qui avait Badiachi en vente aussi. Je vais l'observer. Ou Yann Sec. Ça peut être une bonne charnière. Bon, là aussi, hein. putain, il est fort. Hein. Mais de notre côté, il faut pas oublier que j'ai Ruben Pulido. J'ai Ruben Pulido. J'avoue en fait, euh, ça sera peut-être lui le titulaire. Hein. Romero refuse, il refuse tout. Le mec, il refuse tout. Et si je faisais une offre sur un new gen? Carlos Leandro. C'est un peu risqué, peut-être. C'est 29 millions, ça va. Hein. Je vais tenter une offre, on va voir ce qu'il demande niveau salaire, mais il y a peut-être moyen. Sachant que Nyanzu s'en va quasiment pour le même prix. Ah, ils peuvent le garder en prêt, mais il a pas de temps de jeu, quoi. Je préfère euh, le garder moi refuse mais on va valider on va valider euh, une offre euh, de 30 millions et qui peut atteindre 36 c'est un peu cher hein. mais je pense qu'il a un potentiel euh... je pense qu'il a un potentiel de ouf il a des capacités de base que j'aime beaucoup et, euh... et et puis euh... c'est le même prix que Nianzou et il peut très 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 vite atteindre cette valeur là j'espère que ça va se faire on monte à 62 millions 2 millions de budget salarial et on peut monter très haut hein. on peut vraiment monter très très haut donc euh, l'arrivée de Leandro ça sera bien pour la, la jeunesse de l'équipe et on n'aura pas à bouleverser tout ça quoi. la vraie équipe ça sera Pulido Diomande euh, avec, euh, avec Mélier, enfin Vend... Derlan, y C'est des belles options. On va trouver quelqu'un en rotation pour, pour Pedro là. Je pense que ça sera Alberto Molero. Très honnêtement, <coughs> parce que je suis sur Diego Morera qui a en vente vraiment pas cher aussi. J'attends de finir de l'observer. Randon, Alguilera, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Si Molero, ça se fait pas et c'est pas cher. Hein. Molero, c'est 29 millions quand même. Il a donné quoi à Osbourg Ouais, il est bien. Hein. Il est très bien, Alberto Molero. Hein. Je vais faire l'offre. Je vais les poser les 29 millions. On pose les 29 millions. Le salaire est pas si élevé. Aléandro, ah, les, les stats se confirment. Hein. Les stats se confirment. c'est, Ça va être fort. Hein. Ça va vraiment être fort. J'espère que ça va se faire. La victoire 4-0 face à Cordoba. D'Atrofofana, buteur. Romero, Pedrola. Et Pedrola à nouveau. Laan, attention, peut-être un joueur fragile. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas toujours euh, tendance à regarder. Non, ça restait un périphérique. Non, il est pas, il y a pas de tendance à la blessure. Euh, l'arrivée de Leandro, yes! 30 millions, c'est un risque que je prends, mais en vrai, euh, c'est peut-être un pari gagnant. C'est peut-être un pari gagnant. Je vais refaire sa face, j'en profite. Alors, j'ai fait une vidéo, hein, s'il y en a qui veulent. Euh... J'ai fait une vidéo pour expliquer quel face on va choisir. Il est portugais. Donc, alors, POR. Hein. POR, POR. C'est à partir d'où? C'est à partir d'où? De... Là, elle est pas mal. Le moustachu. On a vraiment beaucoup. Hein. On peut aller un peu dans le fun, un peu comme ça, tu vois. Le médecin là, je pense. Allez, on recharge le thème. Et voilà, Carlos Leandro, c'est beau ça. quel Il nous reste 50 millions. C'est ça le truc. Euh, ils veulent combien pour moi une meilleure offre et exigée Pourquoi C'est quoi qu'ils ont rajouté Ça va, en Vrai Ça reste, ça reste pour un joueur de 23 ans, ça reste ok. Ok, bah d'accord, il va aller de suite. Ça c'est bien. Voilà, tu me fais pas attendre des semaines. Alberto Molero. Qui signe à Séville ça avance, hein Ça avance bien, comme ça, on ne dirait pas. Mais on va pouvoir peaufiner un peu. Alors, je vais revoir l'effectif. Parce que Leandro, ok. Molero, Fofana, Carmona, Oscar, Abaldo, Pulido, Fernandez, Alcacer, Ducouré. Ducouré, il faut que j'en fasse quelque chose. Il ne va peut-être pas rentrer dans la rotation tout de suite. Ducouré, il va falloir partir en prêt. Encore. Parce que Souzaoui, Ramsey, on va le prêter aussi, tiens mais en vrai sinon comme ça c'est pas mal à moins que Regillon s'en aille enregistrement de l'effectif enregistrer tout le monde sans aucun souci je pense pas Obando, du coup pas Obando et pas de Couré et pas Ramsey. donc il me reste une place il me reste 20 millions on va aller voir ce qu'il y a sur la liste des prêts parfois ça peut servir ouais non je vois pas je vois pas de choses trop trop intéressantes donc je sais pas... Je sais pas trop où j'en suis là. Hein. Je suis assez content de l'équipe qu'on a, on garde une base solide. Battu Arsenal 4-2 On a battu Arsenal 4-2, hein. Alberto moiro Pepi, Luca Romero, le doublé. Romero, euh... il est chaud, il est chaud. Alors, Ramsey, on le prête aux Rangers ou au Celtic. Enfin, S'il joue là-bas, hein, ça peut être fort. Hein. Pour Doucuré. Non, c'est en rotation, mais en même temps, ça peut être bien pour lui. Il serait titulaire en Italie, par contre. On va le prêter à Bruges. Et pas au club de Ligue 1 qui veulent le mettre en rotation. J'ai vraiment besoin qu'il joue. chez ou Manza, euh, vas-y. Antonio Silva au PSG. Un million neuf de salaire. Comment tu veux que je rivalise avec ça en vrai j'aime bien l'équipe que j'ai j'aime bien l'équipe que j'ai j'aime bien les options que j'ai sur mon banc Elle n'a pas énormément changé on est d'accord et l'arrivée de Leandro c'est hype l'arrivée de Pulido je le voulais donc je l'ai Pulido du je pense à être costaud le milieu il n'a pas bougé surtout Navasco de, Navasco Sousa dès le début de la saison l'arrivée de Molero elle peut faire un bien fou Vraiment. Devant euh, la concurrence Pepi Fofana, euh, ça va se battre très très fort. Sans oublier Ressous Alcacer qui peut, euh, sur, euh, pourquoi pas, sur un malentendu, gagner sa place aussi. Il peut gagner sa place. En tout cas, ça sera le futur titulaire dans les années à venir. Donc il faut lui faire, euh, faut lui faire sa place petit à petit. Ryan Wurtz, euh, soulier d'or. Moi j'aime bien ça parce que du coup ça permet euh, d'aller découvrir <laughs> peut-être des joueurs comme ça aussi. Luca Ambrosini et euh, Sergio Penedo, il nous appartient, ouais. Il nous appartient. Medina, deux à quatre semaines, attention. Vente de billets et revenus. On est sixième, 34 millions. Santiago Mele, fin de contrat. Tu veux rester ou pas Parce que moi je lui donne une année de plus. Hein. Moi, je lui donne une petite année de plus. Pas hein. 4 ans, mais... Il veut 4 ans. Si tu veux, si tu veux, hein. Si ça. Si toi tu casses pas la tête et que moi euh, j'ai mes trois gardiens, c'est important. Hein. Je lui donne ses 10 matchs par an, il est content. On a fait de deux face à Besiktas, d'atrofofana. Alberto Molero blessé, Martel aussi, c'est pas très grave. Et du coup, Region n'est pas parti. Et je pense qu'il va rester. Personne n'a fait d'offres. On sait que ça allait passer euh, à l'action. Dybala est toujours sans club. Est-ce qu'on le prend euh, Est-ce qu'on le prend juste pour faire une petite année, un peu de réputation comme ça Il jouera pas beaucoup en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il qu qu demande Super sub. Il peut être super sub, il euh, n'y a aucun problème. 11 mois de contrat. Allez, tu viens faire une dernière année chez nous. Allez, on, on tente Paolo à 90 000 euros par mois. Il va venir et il viendra euh, jouer quelques petits bouts de match euh, pour les attaquants. Voilà. Au bandeau, on va le prêter. Bande de prêt de Nice. Il a pas d'obligation d'achat. Ça m'intéresse pas. Pourrait veut discuter. Je pense que, ouais. Je pense qu'ils veulent, euh, veulent avoir leur chance en équipe première. Et ça fait déjà deux ans, deux, trois ans que je les prête. Ils sentent le, ils sentent le truc venir. Après, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. S'il faut trois ans pour être prêt, il te faut trois ans pour être prêt. C'est comme ça que ça marche chez moi. Hein. Allez, Ramsey au Celtic. Au moins... Il arrêtera de gueuler parce que lui aussi, il voulait directement jouer à Séville. À 23 ans, va faire une saison Titu au Celtic. Ça te fera peut-être monter un peu sa valeur aussi. Et après, tu reviens, on discute. Allez, du courrier qui prend une double hernie 4 à 6 semaines. Pas bon, ça. Bon, ma bah, dernier match amical avant le début de la saison. C'est passé si vite. C'est passé si vite, ce Mercato. Heureusement qu'on a pu faire les... les bonnes recrues au bon moment, je pense. Je suis assez content. Je pas assez, lui. Hein. Allez, l'amical, Ça veut dire que si Dybala arrive, il aura fait zéro préparation avec nous, donc il sera vraiment pas prêt. Il aura vraiment... Il aura vraiment des bouts de match, il aura un petit peu de coupe, mais il va vraiment pas jouer beaucoup. C'est vraiment pour, pour le kiff. Ah non, le Salkacer. Heureusement qu'on a un gros effectif. Peiroca Romero et Samarzic. Déjà, l'infirmerie, c'est Medina Romero, Ducouré, Obando, Samarzic, casser. Heureusement qu'on a un effectif assez large. Roman qui est prêté, Hector Fort, on a son rapport. Pas ah, si cher, hein. Pour le potentiel, il est pas si cher. Les finances sont très bonnes du coup parce que qu'on bah, a généré euh, beaucoup de ventes. 53 millions de ventes, mais il y en a eu qui sont pas passées avant, je pense. Celle de Taibo à 11, celle de Miguel Gutiérrez à 36, celle de Soares à 10 et celle de Jota à 36. Il faut rajouter tout ça et départ de Nianzu. Euh. Parti à Newcastle. Ouais, ça a marqué un tournant dans l'équipe ça. Oh, l'arrivée de Dibala, super sub, 95 000. C'est vraiment. On a nos 25 joueurs. On a nos 25 joueurs dans l'équipe. Voilà, on peut pas faire plus. La masse salariale est respectée. Et de courer, traiter à Bruges. Oh, ça va être bien pour lui. S'il joue euh, toute la saison à Bruges, ça va être pas mal. Hein. Et du coup, pour la première compo, euh, dans six jours, on pourrait partir. Tous Diomandé, Mélié, Van der Laan, Juan Martel, parce que j'ai pas Samardzich, c'est ça. Peut-être qu'on aura Molero, on va laisser Pedro là. Face au Barça, qui c'est que je mets Est-ce que je mets direct Fofana Je sais pas. Sur le côté droit, je suis tranquille. J'ai Lucas Romero et Mathias Abaldo, les deux, ils sont monstrueux. Et j'en suis très content. Pas besoin de bouleverser tout ça. Et oui, qui sera le capitaine? Qui sera le capitaine? On va regarder dans les dynamiques aussi, c'est important. Dinah qui était vice-capitaine jusque-là. Rende-nous. -nous en vice-cap. Rivalité toujours plus grande. Rivalité toujours plus grande avec le Barça. Adri Hortz, 13 millions. Lui, j'étais dessus. Vous allez vous comprendre pourquoi. <laughs> à 17 ans. À 17 ans. Je vais m'aligner. J'en ai rien à foutre. J'ai encore le budget. Je m'aligne. Il est incroyable. Il est incroyable. J'aurais, j'ai peut-être pas l'opportunité, mais je m'aligne à 11 millions. Oh, je laisse pas, je laisse pas passer ça. Peur de rotation, il demande 119. Je donne le minimum. Après, c'est lui qui fera son choix. Je pense que United, ils ont les moyens de mettre beaucoup plus. Mais est-ce que là-bas, il va jouer Brosini ça a l'air d'être du lourd aussi. Hein. Il n'y a pas à dire les, les new gen. Ça arrive très, très fort, très, très vite. Vraiment, Nicolas Romero, après deux offres à 20, 21 millions, il n'est pas parti et il va donc rester. On a nos défenseurs, hein. Poulido, Romero, Leandro et même Martel qui peut dépanner. Mais surtout Diomandé, hein. on en a les quatre. 1, 2, 3, 4. que l'effectif est bien équilibré. On a tous les postes. Ah, non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est quoi ce début de saison? Ça a pas commencé. J'ai déjà tout le monde qui est blessé. Toutes mes recrues. Je pourrais même pas les voir tout de suite. On sera à domicile pour recevoir le Barça. Donc, euh, on certains de nos matchs nuls. On va préparer la compo et s'arrêter là. Et ouais, j'ai plus qui est blessé, Ça veut dire que... <laughs> Ça veut dire que c'est la première de Leandro. Je le mets titu. Je le mets titu. Ouais, ouais. Reguillon, de Loup, Martel, Samarji, Fernandez, Pedrola Euh, j'ai pas Luca Romero, je crois. Abaldo. Pedrola, Pepi. Le bain, il y a beaucoup de blessés, mais il y a Fofana, il y a Alberto Molero, il y a Paolo Dybala, il y a Oscar. Non, en vrai, je suis content de l'équipe. J'espère que, que ça va vite, ça va vite prendre. J'espère que Poulido, c'est pas une connerie. Je pense que non. Je pense que vu les capacités, il va très très bien matcher avec Diomandé. Euh, Mélier, il a prouvé qu'il était très très fort. Vanderlan, on va voir ce que ça vaut sur le côté gauche. Sinon, on aura peut-être encore un petit peu de budget pour se réajuster cet hiver. Si euh, parce que Hort ça sera jamais passé hein. Adri Hortz je pense pas que ça passe, mais euh, dans tous les cas euh, dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. vous avez vu la galère que c'est et malgré euh, quand même pas mal d'argent généré, les pistes ont été assez faibles. J'ai pas craqué le budget euh, si à part sur Leandro, euh, c'est quand même la recrue la plus chère. Mais à 19 ans, je pense qu'on va aller chercher un joueur qui, à mon avis, sera revendu très très cher si ça commence à affoler certains clubs en Europe. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.